Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le dernier panel nous pour aujourd'hui dans le cadre Calipolis Haïti Public Policy Bootcamp. Non pas M. Kim Alos, MC fondateur Calipolis Haïti. Quand ça est possible grâce à une collaboration avec NHP qui est National Association for the Advancement of Haitian Professionals. Pendant le week-end, c'était important pour que deux organisations mettent tête ensemble pour que nous faire sensibilisation sur les questions politiques publiques en dedans et pays d'Haïti, au niveau de jeunes qui sont dans le pays d'Haïti et surtout jeunes qui sont dans la diaspora, pour être capable de connaître qui est important ce qui gagne dans les affaires politiques publiques et qui sont capables d'engager les acteurs. Hier, on a parlé ensemble avec Mekaïla Bien-Aimé sur les questions et politiques publiques, problèmes publics au niveau de municipalités ou avec collectivités territoriales. Après ça, nous avons parlé avec Rosny Gadet sur la question qui vient pour avec ce qu'a fait dans le Parlement au niveau du pouvoir législatif. Et surtout, nous avons parlé de l'expérience et surtout l'implication dans les affaires et questions jeunesse dans le pays d'Haïti. Après, nous avons parlé tout petit avec Emmanuel Adouillon sur la publicité et puis de nécessité qui vient pour que les jeunes nous même engagés dans les affaires politiques publiques. Et puis, pour nous finir, journée hier, là, nous avons parlé avec Jordana Calix qui a fait une présentation sur la nécessité qui gagne pour que nous gagnions en politique de jeunesse dans le pays d'Haïti. Matin, nous avons gagné Tachana qui a fait une présentation sur la question analyse des politiques publiques. Et puis, tout à l'heure, nous avons gagné moi-même, ensemble avec nous, nous avons fait une parler sur l'évaluation des politiques publiques. Eh bien, pour nous finir, et quand, pour nous finir le bootcamp, nous avons un autre panel qui peut parler de questions lobbying et politique publique. Lobbying et politique publique sont un sujet qui est assez intéressant parce que des fois, nous sommes capables de gagner des propositions, nous sommes capables de gagner un problème que nous faisons constat de lien de la société, hein, que nous voulons aborder, mais nous n'avons pas vraiment des outils qui permettent que nous fassions ça. Et bien, je dis, nous avons trois jeunes ensemble avec nous qui ont évolué chaque dans le domaine par eux et ils sont capables de garder ensemble avec nous qui sont nous capables d'aborder la question de lobbying. Dans un premier temps, nous parlons de Marc Henri Jean ensemble avec nous qui est fondateur Yes to Love, qui lui-même c'est une organisation qui a fait promotion pour la cohésion sociale. Donc, nous allons regarder ensemble avec lui qui leçon que lui-même lui a tiré dans la campagne ça que l'a fait hein, pour capable garder qui gens nous-mêmes nous capable d'utiliser outils ça pour nous faire promotion ou bien sensibilisation pour une politique. Et puis tout, nous allons regarder ensemble avec nous Amos François qui va parler nous de politique publique et lobbying et puis nous allons bientôt Christine Casimir qui va parler nous de expérience PAL lui-même dans affaires lobbying dans Atlanta, Georgia. Donc, sans tarder, m'a invité nous déjà, bonne participation, bonne écoute, et m'a invité Marc Henri, qui c'est, et j'aime dire tout à l'heure, fondateur Yes to Love, pour capable de faire une petite introduction sur Yes to Love, et puis après ça, on a tourné pour notre présentation. Déjà, merci Marc Henri, parce que vous décidez et prendre le temps pour partager l'expérience et le son que vous apprenez de et activité au gagne dans Yes to Love. Déjà, je pense que nous allons apprendre en pile deux outils. D'accord, merci. Bonsoir, Kim. Bonsoir, tout le monde qui a regardé, qui a participé dans la séance avec nous. Non, pas M. Marc Henri Jean. Moi, c'est fondateur Yes to Love, notre head. Moi, j'ai évolué en Floride. Moi, c'est un haïtien. Et moi, content pour que moi participe dans Calipolis Haïti Bootcamp ça et moins t'as une chance faut que moins rencontrer des gens qui extraordinaire et penser que il y en a bagaille que moi t'ai toujours dit amitié mon relation avec Kimberly non si on a pas que moi vraiment vraiment et moi crois que conversation ça que nous pral gagne aujourd'hui il pral surtout plus basé sur expérience que moi-même moi fait avec Yes to Love, ça que moi apprendre, ça que moi penser que l'autre monde capable apprendre, mais surtout côté que moi venir réaliser que moi t'ai gagné un talent pour advocacy que moi peut-être pas connais que moi t'ai gagné et me passer dans conversation dans échange qui va gagner avec l'autre speaker jour
n'a pas une chance pour que nous parler plus. Et moi content là avec nous, moi gain quelques background professionnel qui pas vraiment gain rapport avec Estoulov, moi fait real estate, moi son real estate license Florida, moi gain license investment FINRA série 6 et moi gain also license dans assurance que c'est life que c'est health. Et moi quitté Haïti en 2012, moi pral gain 10 ans depuis que m'a évolué aux États-Unis. Son expérience que moi toujours remet partager avec monde parce que lui montrer humilité mais surtout lui montrer comment cohésion sociale est vraiment important parce que jodi an et ou gen droit apprendre de conversation ça moi rete quoi que non seulement m'a gen pour partager expérience mais m'a gen pour m'apprendre de l'autre monde tout de travail extraordinaire qu'il a fait au niveau communauté que il a vu plein qui capable bénéficier ni monde qui en Haïti ni monde qui à l'étranger. Moi connais même qui toujours aimé dit nous poser des actions locales qui ont un impact global. Et moi pense c'est travail ça que la police a fait, moi pense c'est travail ça que NAHP a fait tout. Déjà moi tout souhaite tout le monde bonne participation et que le débat a commencé. Bon, merci Marc-Henri. Parce que vous avez une présentation que vous voulez partager ensemble avec le site web Yestoulov que vous voulez partager ensemble avec et mon cap gardé et comme ça on capable parler de qui ça Yestoulov de campagne que vous avez fait et surtout on capable parler de qui le sont même outils de Yestoulov notre campaign. Sure, par contre c'est que ma slide là. Est-ce que mon cap gardé au capable boal? Qui m'a confirmé pour moi? Pour le moment, beaucoup. Excusez-moi, beaucoup de site là. Gardez-moi est-ce que nous avons partagé le lien côté voyez pour nous. Gardez-moi est-ce que vous capable share screen pour? Oh, ok, pas de problème. Let me see if I can do it. Share screen. Est-ce que can you see it right now? Non bon kawel non bon moi si moi même ka partager le bon côté pas dans le fond titan. OK, j'ai l'impression m'ka partager le bon côté pas. OK, perfect. Good. OK, nous capable commencer avec history. Hein? Et moi pense que Yestoulov commencé dans un contexte qui était vraiment exceptionnel. Raison qui fait moi dire ça, c'est pas surtout idée pour que moi été lance pour que moi été créer une organisation. Moi pense que Yestoulov c'est réaction publique là qui permet que journée aujourd'hui nous gagne Yestoulov en tant que organisation que les aujourd'hui. Et 16 septembre 2018, moi t'a fait 20 signatures et livre que moi t'ai écrit qui s'est grandir ensemble dans la prière, la réflexion et l'action. Et moi pas voulais utiliser title grandir ensemble dans la prière, la réflexion et l'action, c'est parce que moi t'ai trouvé que les trois chrétiens et moi t'ai voulu faire un bagage qui plus inclusif. Et comme moi t'ai voulu résumer tout ça que moi t'ai écrit dans le livre là, dans un bagage côté que tout le monde capable de joindre et que moi t'ai dit OK, m'a résumé livre là Yes to Love Not to Hate. Et me songer que mon texte yon zanmim moi dit comme ça est-ce qu'on a fait 2 douzaines mayo pour moi et ou a écrit là-dedans yes to love not to hate et puis il dit OK pas rien problème et puis moun que me te gen cap speaker là ça qui c'est Valérie Moïse me dit l'a vini rentré avec mayo pour moi et Valérie Moïse vraiment t'est rentré aux États-Unis il t'est gen mayo sous lui me t'est gen mayo sous moi et étonnamment de côté que moun yo wè mayo a sou nou, premier question posé, koto jwenn mayo sa? Est-ce que m kapab achete yon? Et puis, de di OK, pas un problème. Nou te vin vann tout mayo même avant que nou te vann liv que nou te gen yo. C'est pas la réaction moun yo, lè que yo wè
photo an, et que gen moun ki di kon sa, m ta reme gon maro kon sa. Et puis, m di, ok, pa yon problème, si nou bezwen, m ap fè nou jwenn. So, kon sa ke chak moun ap pran photo, poste sou Facebook, et puis moun komanse vin enterese de li. Mwen gen yon zanmim, ki son Ameriken, ki le Angie, et puis di ma kan, pou ki sa ko pa fè Yes to Love, tout nou organizasyon, et ki kapab gen plus impact ke seulement gouvernement yo. Je trouve que c'est une belle idée. Nous avons lancé l'initiative le 7 septembre 2018 et d'ici 1er octobre 2018, Yes to Love est enregistré. Et moi, il faut que je suis capable de dire que même la qualité enregistrée, je ne sais pas vraiment qui impact social et communautaire que Yes to Love a et until 7 septembre 2020. C'est-à-dire que 2 ans après, et moins fin. Gen sa ke yo rele yon experience ki te yon suicide attempt et là que m vin ap rale nan thérapie m vin ap comme si réévaluer importance la vie m réévaluer mission m réévaluer pour ki sa ke bon Dieu choisi bon yon second chance moi te vin réaliser que Yes to Love c'est pour beaucoup la donne et c'est là ça que m pral vin commencer faire Yes to Love vin plus on focus sur moun ak moun versus yon produit customer. Et c'est là que moi pral prend moun à partir d'expertise que j'ai pour que moi-même capable voir comment que me capable connecter. Et l'autre bail que me pensais que me t'a pral faire, c'était surtout garder qui area nan vi nous que nous capable connecter qui permet que nous capable rejoindre plus moun. Premier ça que moi fait, moi pas rencontrer moun au niveau de l'église seulement. Moi toujours mettre mon position côté que approche nous capable universel. Et moi tout font façon côté que non seulement que moi fais ça, moi ouais que l'autre monde surtout classe qui minoritaire yo intégration yo dans plateforme Yes to Love qui capable faire plus inclusive. C'est que nous descendons slide là, nous capable ouais une bagarre qui vraiment important, nous t'est basé sur vision non. So nous t'est vraiment décidé que approche communautaire là, il était number one pour nous. Et c'est là qu'on peut regarder descendre toujours. OK, pause of activity. Yeah, keep on going. On va continuer descendre. OK. On va regarder nous vinn décider penser sur community service. Et qui ça que nous capable faire pour offrir communauté à. Et moins quoi que juste journée aujourd'hui, nous c'est une organisation qui baille en pile par rapport à ça que nous rentrer. Et moi me compte prendre plaisir que moi lancer des campagnes côté que moi baille 50% dans produit qui sellio à non for profit organization. Je dis am capable dire ça légalement plus facile pour moi Yes to Love as a profit for profit mais idée hein c'est toujours prêt communauté pour que nous supporter avec ressources que nous gagne et l'autre bail que nous gagne nous croyons dans diversité avec inclusion c'est ça qui fait que on capable voir que il y a des monde qui mettait Yes to Love que moi personnellement ouvertement supporter qui capable créer controversy. Mais on a barré que moi-même, moi vraiment assumer position parce que moi crois que c'est vraiment important pour que nous inclusifs dans ça que nous faisons, pour que nous pas dire ok, Yes to Love sont catégorie de monde qui n'a dit Yes to Love avec eux et non l'autre catégorie. Hein. Moi toujours make sure que message là, il pas une pièce rapport avec ça que nous content qu'ils aient, il pas une pièce rapport avec ça que nous parlions qui sont en approche qui capable détruire le monde, qui capable promouvoir gêne entre le monde avec une autre. Et continue toujours. Yep. Mental health, education, entrepreneurship. So, nous mettons là. Pour qui ça, nous disons que c'est un qui est important, pour qui ça, Yes to Love, c'est une organisation for profit, mais qui vraiment croit que ce n'est pas seulement faire quoi, sans que nous pas engagés dans la communauté, mais c'est faire quoi pour que nous aider les gens qui sont dans la communauté. Non? C'est parce que moi trouvé que c'est important pour que nous, même qui jeunes, pour que nous avons un mindset qui est vraiment poussé ça que nous avons l'activité entrepreneuriale. Si que moi capable de faire un produit que moi fais, on dit unité qui a coûté 10$ et que je suis capable de vendre avec 20$, so non seulement que moi j'ai 10$ que moi j'ai dépensé en qui là, moi j'ai 10$ qui profit que moi capable d'investir dans la communauté. Et c'est dans ça que je ne peux pas aller avec approche non pas profitant qui pourrait permettre ou dépendre de ou dépendre des donations que mon a baou mais plus que organisation là lui-même est capable supporter tête lui
Et l'autre bagaille qui gagne encore, c'est éducation. Moi, toujours été croire que entre moi-même avec un jeune qui est en Haïti, et différence n'est pas en pile. Je suis capable de dire que moi, j'étais vraiment fortuné, que moi, j'ai une chance de passer dans des écoles en Haïti que je considère que c'est l'école des privilégiés. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça. Même pas penser que je suis un qui privilégié. Et nous, je ne pense pas que les parents ont un corps qui permet que je sois dans l'école. Il faut dire ce que j'ai, l'MT Saint-Gonzague, c'était un grand frère qui a payé l'école là, parce que papa, quand c'était quoi, on a payé chaque mois, c'est exactement quand c'était quoi, c'est le Gonzac qui a écouté pour moi-même avec les jumeaux. Donc, so, ça me permet que tant aussi que je grandis, et tant aussi longtemps que je travaille pour que moi, il y ait des gens qui sont dans la communauté à l'étranger ou bien en Haïti, supporter l'initiative, c'est chaque jour que je pense, OK, comment je suis capable de supporter l'autre monde. Et c'est ça qui va permettre que nous devions bénéficier d'un très, très belle visibilité dans le double liste que moi j'ai contre mais surtout dans le collège que moi j'ai passé l'MTE et c'était le collège Florida d'initiative sous le blanc non seulement qui ont offert moi un article dans l'école là mais président de l'université en tout a offert opportunité pour que moi j'ai venu parler avec les vieux pour que moi j'ai venu partager expérience en tant qu'un jeune haïtien qui est un immigrant qui vient des États-Unis dans intervalle de temps mais qui s'accueille lui-même que l'été réglé. Et l'université USF t'a invité fait même travail là et non seulement ça il t'a sélectionné comme student spotlight dans I believe spring 2018 qui c'est là que moi t'ai gradué avec un bachelor dans l'école là. Mais ça qui pi clé que m'dame que mon comprendre dans quand advocacy hein Jean Yestoulon fait parlant livre vraiment différent. Nous pas promouvoir contre, nous promouvoir pour. Ça veut dire que aucun doit avoir deux mondes qui pas jamais collaborer sur un projet, sur l'autre projet, mais monde sur y a bien collaborer sur Yes to Love. Et c'est ça qui fait que au capable on monte par exemple défi pour être révolté. Karel Ped, au capable Kemisa et Atis Punch, au capable on monte tant que Laurent Lamotte, au capable un monde tant que qui est ça va prendre Jean-Philippe Etienne, par exemple, comme si des mouns qui pas gen même tendance, mais qui pas gen problème pour que yo chita ensemble, pour que yo toude pour monter sur l'homme, dans mesure que engagement, message ça li rive sur lequel dit lui-même ni pour que supporte ça. Actuellement là, pour disclosure, moi, pas vraiment actif, j'ai comme des comptes faits là, parce que moi, te gen yon contrat avec un investisseur pour que nous te font big extension et que nous te supposé gon meeting. Qui était supposé close deal là en juillet et New York, non pas New York non, Orlando, nous fait premier meeting dans Saint-Domingue, nous fait deuxième meeting dans Orlando, troisième meeting qui était supposé close tout bagage, président Jovenel vient mourir, investisseur a censé back off bien que il était rassuré que ça va pas créer un problème, mais jusqu'on est là, nous pouvons vraiment ca close deal pour permettre que vision que lui-même les gars de Yes to Love blanc que nous tout d'intérêt d'accord, nous pour arriver à atteindre. Mais ça qui toujours fait plaisir, je dis, c'est que là que moi poste une photo Yes to Love ou bien moi gon mari Yes to Love sur moi mal en côté, moi toujours gon monde qui dit comme ça, moi même mari ça, moi même message ça. Et moi toujours gain every now and then des monde qui allait qui décider acheter un produit pour supporter travail que n'a fait. Et penser que ça c'est un bagage que moi toujours content pour que moi ouais, c'est que d'une année ou d'une autre, il y a des gens qui juste une aujourd'hui qui continuent à supporter le travail que nous avons fait. Mais il permet que moi, ouais, tout que possibilité pour que nous créions un espace qui est capable de faire tout le monde chita, bien que nous ayons d'autres approches que nous ne pas partager avec l'autre, ou bien intérêt n'est pas toujours aligné, mais at least nous avons un élément commun qui est capable de permettre que nous chita, nous d'accord, nous disons ça que nous voulons. Et il y a des gens qui trouvaient que il y a une meilleure campagne que nous avons capable faire qu'on y a pour ça qu'a passé en Haïti à cette campagne Yes to Love là, mais je pense que l'étape d'un pile ressources dans qui sens c'est parce que première tentative qui était faite pour que nous te font collaboration comme ça en plus monter juste tu pensais que c'est quoi que moi te prendre dans l'état pour faire mais réalité c'est pas ça. Je pense que même gens que moi jeune ici monde qui était dans le gouvernement ici elected official te décide que son initiative qui était prêt pour supporter include current et commissioner agriculture qui c'est Nikki Fried. Je pensais que nous devons faire même bagarre pour Haïti tout, mais malheureusement
ça pas arrivé fait et que moi-même moi continuer travailler avec des montants Kim, moi continuer travailler avec d'autres jeunes et c'est même approche communauté advocacy ça qui permet que nous t'ayons plateforme sur Clubhouse côté que nous qu'on a fait conversation Yes to Love Let's Talk et qu'on y a nous pour parler avec un gros média influenceur sur plateforme Instagram avec Facebook pour que nous prenons conversation sur ce qu'on a fait sur Clubhouse pour nous venir sur Facebook et probablement pour nous venir sur Instagram. En un mot, pour que mon résumé, nous pas vraiment campé, mais nous prenons pour stratégie pour que nous voyons qui ça que nous avons fait qu'on y a qui bon, parce que conversation portée en pile fruit, il permet que nous créer connexion, il permet que nous créer bridge avec quelques leaders politiques ou bien responsables d'organisation qui ont évolué en Haïti, mais surtout, il permet que nous capables de voir ce que nous do better. Moi, pense qu'on y a qui ça que nous capables de faire plus bien, c'est engage plus monde, c'est surtout créer environnement à côté que yon capable de vivre en harmonie avec l'autre. Malgré divergence qui gagne, malgré désaccord que nous gagne, malgré intérêt qui pas toujours même bagaille, mais nous connaissons que d'une manière ou d'une autre, bon côté que nous tous nous capables d'entendre nous. Bon côté que nous capables d'entendre nous, qui c'est que nous tous nous sommes monde et coexistence en lien important, et bon l'autre bagaille qui est extrêmement important que nous pensons que nous capables prendre en considération, c'est que nous avons travaillé de concert et ça que moi-même, moi j'étais quoi Kimberly a essayé faire pour que nous un jour capable de voir ça que les nouvelles haïtiennes viennent tourner en réalité. Et je pense que son bagage qui est vraiment, vraiment important. Without love, I can guarantee you, I don't think it's going to be possible. Merci, 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 un peu, Makari, parce que tu as partagé l'expérience ensemble avec Yes to Love. Parce que, il y a un bagage qui dit là qui est important que tu aimes attirer l'attention sur lui. Vous parlez de gens que vous avez dit développer le message là ou développer l'en façon à ce que la pile monde même le monde ça y a des différents mais c'est un message au cachita d'elle donc pour jeunes qui regardent là que ce soit c'est écolier ou bien universitaire le noir fait politique publique le noir fait advocacy ça oui le cadrage là li important parce que faut que nous connaissons le nous avons développé un message pour une politique publique faut que nous essayons de garder qui sont capables de mettre tout acteur d'accord pour capable supporter politique publique ça. Donc, sur notre ZAM, je vous remercie un peu encore, Makari, parce que tu as partagé l'expérience dans les affaires et Yes to Love, Not to Hate. Je pense que son message qui continue à résonner. Et pour moi, on a une histoire tout petit. Il y a de cela une semaine, moi, je suis allé dans un football game dans FAU. Je me suis dit, Yes to Love. Moi. C'est plusieurs monde qui regardent, mais puis une dame qui même dit, moi, ça, yes, 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 yes to love. C'est juste pour montrer que le message là, c'est un message qui est positif et pour les gens qui veulent développer la politique publique, des fois, il est important pour que nous ne soyons pas seulement contre. Nous ne soyons pas seulement contre, mais il faut que nous jouions nos moyens pour nous dire, mais qui ça nous-mêmes nous voulons avancer, mais qui ça nous-mêmes nous pour lui. Et moi, c'est que tout le monde a marché derrière nous, le nous dit, mais qui ça nous voulons, mais qui ça nous a comme valeur. Donc, merci un peu encore, Makari. Et puis, nous allons aller ensemble avec nous. Christine Casimir, pour nous capables de parler ensemble sur la question lobbying. Christine travaille dans l'État de Georgie à Atlanta. Elle travaille pour une firme et de relations publiques. Donc, Christine va parler nous un petit peu de l'expérience par. And I believe she'll do so in English. our English speakers and you know if. You need some translation, we'll be more than happy to help afterwards. But Kristen, it's really a pleasure to have you. We are really honored to have you with us and you can share your experience with us about Connect South and the work that you do and how you engage elected officials in your work and how students and college students in Haiti can use that same framework in our country, Haiti. Thank you so much again for being here. Yeah, no, thank you so much for inviting me here to speak with you all today. Yeah, just as Kim had announced, my name is Kristen and I live in Atlanta, Georgia.
I work for a firm, company called Connect South Public Affairs. We're a public affairs firm, so we have some folks in our office who do a little bit of lobbying, a lot of folks who do some consulting for folks running for elected office. And we have some other folks who work actually on campaigns doing digital ads and networking and stuff like that. So I just want to talk to you guys a little bit about what I do with Connect South. So I've been a lobbyist for a year and a half now. But prior to that, I worked on campaigns. I've also done some internships. And just like many of you all who are either in high school or college, I did also go to college. I'm a public policy major. And so I just want to first just talk about a little bit about lobbying, right? So lobbying is influencing or attempting to influence the legislative action through various types of communication, whether it be emails, phone calls, taking folks to dinner or lunch, just really locking down on that communication aspect to allow the elected official to get to know you and allow you to express or voice the concerns that you're currently having, right? So my advice is to always give enough information. However, you want to keep it short and sweet, right? Because these elected officials, although it may seem like they have all the time in the world to listen to our thoughts and our issues, they actually do not. So what I've learned is when communicating with these elected officials, we kind of want to do like a one pager. So that way you can keep your thoughts and your issues concise for them to kind of look at it, read over what it is that you need from them, and they can go ahead and make that decision in a quickly manner, right? There's a lot always going on when it comes to public policy, and depending on the season that you're in, whether it be a legislative session or not, determines the time that they will actually have for you. So I also just want to take a minute to highlight a small comparison between lobbying and advocacy. Although both work to influence change in policy, I've noticed in my experience, right, that lobbying stems from advocacy. So what do I mean by that? So here in Atlanta, in order to lobby, you have to actually be a registered lobbyist with an ethics commission. So they basically oversee everything that we do and make sure that we're in compliance, right? Making sure we're not doing anything that could be illegal. When it comes to advocacy, when you're an advocate, I mean, there's no registration for that, right? You have an idea, you've identified an issue that you are going to express change in, right? So for lobbyists, we are actually hired, right, to execute that task one way or the other. We're hired by corporations or advocacy groups to help pass or stop legislation. We work hard throughout the year to build these relationships with these elected officials. So that way, when the time comes to have these conversations and make change, you have already done, you know, the work for that. So lobbying is wonderful. I definitely enjoy what I do and it is fun. However, it is hard work, and but it's rewarding. And I have, as I stated, I've been doing this for a year and a half now as an actual registered lobbyist. And the experience that I've obtained is imaginable. And so I just want to break down three of the things that have helped me become a lobbyist and be a more successful lobbyist. So one is campaign work. The other is networking events. And lastly, I would talk about internships, right? So let me just dive a little deeper into each one, right? So when it comes to campaign work, it's so simple to knock on doors or make phone calls on behalf of a candidate, right? But in my experience, I have learned that working on a campaign, it allows you to build character and confidence in yourself. It also strengthened my time management skills, as well as my organizational skills, right? So I worked on a statewide campaign, and I was responsible for volunteers and scheduling for the candidate to go to meetings and events like that. And so it was through this role that I was able to learn more about the needs of the people
who the candidate was representing, right? So this could always help you build that relationship with that candidate because, you know, hopefully if they win, you know, you have that ally in the state legislature or whoever this candidate is. They could be school board or they can be working on environmental issues. You know, whoever this person may be, you have already did the groundwork with them, that framework to have that relationship with them. So when it comes to networking events, these are very important. I believe that when you're looking to become a lobbyist or do more with public policy and have change in your community, right? As I mentioned before, lobbying is about influence. So how do we expect, right, to influence the legislature if we haven't already put in the time or the work to create those connections? How else do we expect to, you know, meet other influencers or advocates and stakeholders and, you know, leaders in the community, right? So events like this, I would say, it doesn't always have to be formal, right? It doesn't have to be an actual networking event. It can also be a small group of like-minded folks like yourself. It could be a small group of friends and just having that space to have that open discussion, right? And bounce ideas off of each other. For example, here in Atlanta, I'm a part of this small lobbyist group who gets together on a weekly, biweekly basis, depending on, you know, what everyone has going on. And during that time, you know, we're able to discuss policy issues. So for example, last year in Atlanta, Georgia, we had a sort of a, would say an issue. We were lobbying, or some folks were lobbying on behalf of voting rights here in Georgia. And so the group that I'm a part of, the group that we sit down and talk, and so for this group, there were, I want to say like 4 to 5 other lobbyists, right, from different firms and different backgrounds who were able to team up together to, you know, possibly make change and fight against the legislation that came up during our session last year. And so I say this all to say that events such as this, you know, I just want to remind you that when it comes to making change, you're not always alone. Having those conversations, opening up that dialogue allows you to gain those allies, allows you to get more information, you know, other, you know, getting information that you might not have had or information that might help you with your cause, right? When it comes to either stopping or pushing legislation. And so I just wanna remind you that it definitely pays off in the long run to keep and maintain those connections and those relationships. And especially when it comes to lobbying, I mean, that is the sole thing that you are doing, right? You are maintaining those relationships, whether it be with the elected officials or, you know, with other advocacy groups or other leaders. And so that brings me to my last point about internships and how important these are. These are very, very, very important. I can't stress it enough. And I know that you guys are high school and college students. And, you know, I just want to remind you, you know, now is the time to reach out to your administrators and just ask them, you know, ask them like, hey, how can I get more involved? Is there anyone looking for work? Can I just shadow? You know, internships don't have to be official. They're not always paid. However, the experience that you gain from these internships are, you know, it's just amazing. And you'd be surprised at how many, you know, jobs that you get straight out of an internship, right? I know for me, you know, they're not just resume builders. They're allowing you to, you know, test the career path of your choice, right? This might not be for you, or it might be for you, but it allows you to gain real-time experience rather than sitting in a classroom and learning it, right? So anyway, so for me, I was fortunate enough to have multiple internships prior to becoming a lobbyist, but they provided me with the tools that I needed. And now as a lobbyist, I mean, I see how firms and even other groups, they look for these particular students who have put in the work, who have expressed interest in certain issues. And, you know, they're the ones that get the jobs. And so through an internship, I will say it can place you on the fast track to becoming a lobbyist or being in the public policy world. And so it just, you know, it gives you the exposure into the actual policy process.
And so those are the three things that have helped me. I just want to encourage you all to continue on your path and believe in yourself. The fact that you're here today, you know, on a weekend, listening to us speak to you about this today, you have already taken the first step. And so I just want to remind you that policy change doesn't happen overnight. You know, small wins are actually wins. So with that being said, if you guys have any questions, I'm happy to answer them. Thank you so much, Kristen, and thank you so much for your words. And I think I took some tips that I can share with you know, our college students or high school students watching from Haiti and elsewhere in the diaspora. I think in the context of Haiti, and I'm gonna say it in Creole. Sorry, Kristen. L'important, par exemple, que nous engagions. Des fois, faut nous voulons changement, mais nous pas vraiment connaître qui j'ai pour nous commencer. C'est ça qui fait que l'important des fois pour que nous engager, nous savons avec monde qui déjà dans le domaine, par exemple, travail dans la campagne électorale, c'est un moyen pour capable de joindre une expérience, pour capable de garder qui j'ai un bagage au fait, qui j'ai certaines décisions prendre. Et nous connaissons, par exemple, travail dans la campagne électorale, il y a des challenges là-dedans, mais l'important pour que en tant que jeune, nous été engagés. Deuxièmement, que m'apprendre de ça, Christine l'a dit tout à l'heure, hein, c'est question de connexion avec relation ou bien relationships. L'important en tant que jeune qui a évolué en Haïti ou bien ailleurs, si vous voulez vraiment gagner un impact. Parce que vous gagnez un bagage qu'on a besoin de changer. Et sans besoin de changer, il y a son monde qui peut changer, le son acteur politique. Si vous voulez, par exemple, impacter l'acteur politique là, il faut que vous avez une relation avec elle. Vous n'êtes pas obligé de partager même idéologie politique avec un monde pour que vous avez une relation avec elle. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'avoir une même conviction avec un monde pour avoir une relation avec elle. La relation que vous avez avec un monde, c'est pour capable informer un monde de qui politique publique vous avez aimé changer et surtout regarder qui sont capables d'influencer un monde. Et puis, dernier point que Christine dit, c'est qui important, c'est à faire internships ou bien stage en créole. Donc, des fois, nous avons des communautés, nous, surtout pour la caille, nous, dans la collectivité territoriale, mairie, nous avons un pile besoin. Et des fois, nous, en tant que jeunes, nous avons une capacité, nous sommes capables de des éléments que nous sommes capables de porter à mairie, mais des fois, nous ne pas négatif, garder ce que nous sommes capables de faire pour mairie, nous garder, nous voyons que mairie a des défauts, des bagages que nous ne sommes pas capables de résoudre. Au lieu, par exemple, pour nous critiquer, regardez qui est capable de porter un changement. Le sang, on est capable d'aller vers le magistrat ou bien le monde qui représente là, dit, par exemple, mais qui problème pour constater, mais qui ça a gagné comme bagage intellectuel, et mais qui gens sont capables de partager ou capables d'aider mes clients à arriver à résoudre le problème. Ça. Donc, en gros, moi, c'est que si, comme ça, on résumer ça, Christine dit, and I know she's gonna be around. So if y'all have questions, she'll be more than happy to answer those. So Kristen, thank you so much. I know you're gonna hang around. Pukunya mbral invite nous à dernière présentation pour panel ça avec Amos François. Amos François a évolué et dans pays la France. C'est un jeune qui est très dynamique. C'est également et fondateur Amos François Consulting dans affaires question public policy ou bien politique publique. Donc, ensemble, il va partager ensemble avec nous, qui j'aime comprendre question lobbying, et puis parler de l'expérience que l'a fait et que l'a fait en Europe, et que l'expérience que l'a fait Kounia, qu'il est en mission et Haïti. Donc, il va parler ensemble avec nous de questions et lobbying. Donc, Amos François, encore une fois, merci parce que vous décidez de partager tout ensemble avec nous et vous souhaitez que tout le monde garde un autre, vous êtes capable de faire. Merci beaucoup, Kim, et pour l'invitation. Et merci à toute l'autre et présentateur qui te font un travail formidable. Je me félicite. Donc, avant que je commence la présentation, je bien aimé et présenter, bien que l'autre présentateur te fait. Non pas M. Amos François. Et moi, j'ai une licence, ça a créé notre tradition américaine, un bachelor. Non, public management, management public et une maîtrise en politique publique par cours affaires publiques. Donc,
Ça fait environ 2 ans que moi créé un cabinet de conseil qui est Amos Consa Consulting, côté que moi accompagné des hommes et des femmes politiques dans la prise de décision, soit en Haïti ou bien ailleurs. Mais cabinet a axé sur la gratuité, c'est-à-dire que nous aider de décider, donc c'est nous pas vraiment un cabinet. Donc objectif nous c'est essayer démocratiser en quelque sorte l'offre de services qui gagne dans le secteur là dans la question politique publique et affaires publiques. Et puis tout récemment moi fait une expérience dans un cabinet de lobbying à Bruxelles. Bon, c'est que c'est ça que nous allons essayer partager ensemble. Et puis maintenant, moi à Genève, en Suisse, côté que moi c'est collaborateur dans la mission permanente et d'Haïti auprès des Nations Unies. Maintenant, on va partager la présentation. Non? Moi par contre sinon écran la femme de remarque c'est que nous écran il me semble que c'est toutefois que nous écran n'a pas parce que le problème c'est que chaque fois partagé même pas ouais et alors oui le partager quand on pas pour vidéo encore donc on obligé quitter sur écran OK là toujours well donc très bien on va partager très bien merci d'accord. Maintenant et nous allons essayer de garder ensemble parce que et présentation donc sujet qui était sous maintenant c'est lobbying et public policy qui rapport qui gagne donc déjà moi proposer un plan moi par contre c'est que nous est bien donc proposer nous un plan on va essayer garder qui rapport qui gagne entre politique publique et lobbying déjà qui ça qui politique publique parce que la question c'est que depuis hier et il y a différentes présentations qui faites sur question politique publique et n'a pas essayé passer rapidement sur ce notion hein. Et puis deuxièmement on doit essayer regarder ça que nous le lobbying hein? Et puis comment un groupe lobbying capable influencer en politique publique et puis on va essayer regarder excusez-moi est-ce qu'on capable cliquer sur lire comme ça on est capable de voir toute présentation hein? En l'air pour partager on l'a yes ok c'est bon? Yeah c'est bon merci. Super maintenant et après il me pense que nous allons essayer de garder pour qui ça il y a un groupe lobbying qui va participer dans la politique publique et puis il y a un dernier point est-ce que lobbying non ils sont à tout bien ils sont menaces pour une démocratie par exemple nous allons essayer de garder différentes conceptions qui gagnent dans le lobbying ça va dépendre de quelle tradition pays hein. Maintenant qu'est-ce qui est en politique publique? Et je pense que il y a plusieurs monde qui regardent nous là et qui c'est politique publique c'est domaine yo. Déjà il y a une définition classique qui est répandue depuis que discipline créée et aux États-Unis. Nous souvent dit c'est un programme d'action qui propre à une ou bien plusieurs autorités publiques ou gouvernementales. Si nous essayons pour une définition classique par exemple, son programme d'action qui propre avec un seul gouvernement ou bien plusieurs gouvernements. Déjà, il y en a vraiment qu'on capable faire dans la définition, c'est que leur programme d'action il est encore vague. Et puis, définition ça, il n'est pas essayé fermer tout, parce qu'il est très fermé dans la mesure où c'est autorités publiques et gouvernementales qui impliquent dans la politique publique. Là. Et avant que nous essayions de garder une tentative de définition sur la question politique publique, parce que nous essayons de proposer une définition qui plus ou moins et pour capable ici garder qui ça qui politique publique là on garder lorsque on a parlé de politique publique et parce que mon game capteur de nous là une fois que nous est politique publique nous gêter de pour nous confondre avec politique donc nous essayer garder qui différence qui gagne entre
Je pense que l'idée est extrêmement importante pour nous garder la différence qu'il y a entre la politique, le politique et les politiques. Maintenant, dans le cadre et présentation, nous allons parler de les politiques publiques. C'est-à-dire que les politiques. C'est-à-dire que, mais nous allons regarder qu'il y a un lien entre la politique et le politique, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui est la politique? La politique, c'est l'activité que nous connaissons, par exemple, c'est la compétition pour le pouvoir. Hein? C'est une compétition qui est faite dans un régime démocratique, par exemple, par la voie électorale. Hein? Ou après que l'image que la première image que vous pouvez avoir, c'est un ensemble de photos dans la dernière élection qui se fait. En Haïti, nous avons plusieurs candidats qui postent des photos dans souci plus capable et diriger le pays. Donc, c'est la compétition pour le pouvoir. Là, c'est la politique. Et, dans le niveau ça, c'est pas politique ça que nous allons laisser parler, je ne vous dis. Maintenant, deuxième photo, c'est le politique. Le politique, c'est-à-dire que l'homme ou bien la femme politique. Après que, pour une image, Emmanuel Macron, quand ça tombe des caprins, une image, un premier ministre ou bien un sénateur, pour nous désigner le politique. Et puis, dernière image que nous avons après, et sous écran, c'est non aux violences faites aux femmes. Hein? Ou après que son image, côté que c'est dans le cadre d'une politique publique, côté que c'est politique publique contre les luttes, contre les violences faites aux femmes. Donc, ou après que c'est différent qui gagne entre la politique, le politique et les politiques. Maintenant, Ndapsuf et Kim, hier, dans nos présentations sur question politique publique et politique, même s'il y a une différence entre la politique et les politiques, ça m'avait dit pas gagner les liens entre la politique et les politiques publiques, parce que les politiques publiques, en quelque sorte, c'est le gouvernement vraiment qui prend en charge d'un problème. Eh bien, une fois que nous dit tel problème, n'a pas agi sous les par l'autre, c'est déjà une décision politique. C'est-à-dire que bon rapport hein, entre la politique et les politiques, en quelque sorte. Mais je dis, nous allons parler plus de les politiques, c'est les politiques publiques. Maintenant, qui définit ce que nous essayons de garder? Nous sommes un ensemble d'actions, ou bien ou non, qui coordonnent, mais qui, côté que, ces autorités publiques qui prennent un problème en charge, mais qui ont une situation qui est perçue comme problème, par exemple. Il y a un bagaille, un problème dans la société, hein? Par exemple, un problème sur question environnement. Tout le monde, c'est une question qui est pertinente. Donc, c'est un problème que l'autorité a dû pencher sous lui. Mais son situation, côté que nous estimons qu'il fait problème et qui attire l'attention de l'autorité publique. Et la définition de ce que nous essayons de garder, c'est que il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans la politique publique. Là. C'est très important, ou pas avec eux, qui rapporte qu'il y a un lien entre politique publique et groupe lobbying. Et non, groupe d'acteurs, ça n'est pas exclu les groupes lobbying, c'est-à-dire que groupe qui peuvent représenter en quelque sorte des intérêts. Donc, c'est ça que nous allons essayer de garder ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le lobbying? Comme point de départ, de penser, un groupe lobbying, c'est un groupe d'intérêt, c'est un groupe de pression, c'est un groupe d'influence. Hein, même genre que Mme Casimir se présentait là, qui vise à influencer les groupes et les centres de décision. Hein. Maintenant, pour que ce lobbying, il faut nous clair sur lui, c'est que il n'y a pas la même perception lorsque, dans la tradition américaine, et il y aurait lobbying d'une façon, et dans la tradition française, il y aurait lobbying d'une façon. Lorsque on dit lobbying, par exemple, aux États-Unis, eh bien, il y aurait son bail qui est tout à fait normal. Hein? Et c'est vraiment intéressant dans la présentation et Madame Casimelan que Lily dit lobbying is wonderful. C'est extrêmement important hein, pour nous essayer de garder qui différentes conceptions qui gagnent lobbying selon de tradition pays. Maintenant, avant d'aller plus loin, qui ça qui est un groupe lobbying par un parti politique en quelque sorte. Hein? Un groupe lobbying, c'est un groupe de pression qui a influencé les centres de décision en faveur de un groupe, par exemple. Qui a défendu des intérêts particuliers. On est d'accord. Hein? Maintenant, un parti politique, vraiment c'est un groupe d'individus, de personnes, mais qui vise le pouvoir. Mais qui n'est pas vraiment seulement influencé, mais qui visait le pouvoir. Le groupe lobbying n'est pas visé le pouvoir, mais c'est juste qu'il a battu pour influencer le processus de décision. Maintenant, en France, lobbying, il y a un sens très péjoratif, voire et négatif même. Hein? Donc, ils considèrent lobbying comme la défense d'intérêts particuliers contre l'intérêt général. C'est-à-dire que si un groupe d'experts, par exemple,
qui a défendu des intérêts, soit un groupe d'entreprise, eh bien, il y aurait que les contre l'intérêt général. Pour que ça, parce que dans la tradition française, eh bien, l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ce n'est pas chaque groupe qui peut défendre l'intérêt auprès d'un gouvernement ou auprès des autorités publiques, mais c'est plutôt l'autorité publique qui définit qu'est-ce qui est intérêt général, ce n'est pas un groupe individuel. Donc, il y aurait le commun. Comme une activité qui allait à l'encontre de l'intérêt général. C'est très important. Tandis que dans la tradition anglo-saxonne, américaine notamment, eh bien, lobbying, il y aurait son bail qui est tout à fait normal. Parce que, et tradition pays, il n'y a pas même. C'est un pays qui est fondé sur des groupes sociaux qui défendent des intérêts particuliers auprès des dirigeants, des décideurs publics. Donc, ça, c'est la différence qui gagne entre. Et plusieurs conceptions qui gagnent dans la question lobbying entre les États-Unis et la France. Maintenant, conception ça qui émergeait, par exemple, notamment en France vis-à-vis de lobbying, c'est pas totalement. Les institutions européennes n'ont pas vraiment adopté une telle démarche. Ils ont plus hérité de la tradition américaine, côté que, ou après que, lorsque vous parlez dans les institutions européennes, il doit après que les institutions européennes y reconnaissent l'activité de lobbying comme activité qui est normale pour capable de représenter des intérêts particuliers, qui est différent de la France. Maintenant, question que vous avez essayé de poser, est-ce que si y a lobbying, si un groupe de lobbying, si un groupe d'intérêt qui influence l'ensemble des décisions, est-ce qu'un ONG peut être considéré comme un groupe de lobbying, Je parlais de lobbying citoyen. Est-ce qu'un groupe de citoyens, par exemple, qui défend des intérêts propres de un groupe, pas d'accord considéré comme un groupe de lobbying. Oui, bien évidemment, mais si nous essayons de garder différentes caractéristiques d'un groupe de lobbying, d'un ONG qui a défendu une cause environnementale, d'une cause de société, et bien, qui a considéré comme un groupe de lobbying aussi. Maintenant, comment un groupe de lobbying capable d'influencer l'élaboration d'une politique publique? Ça que nous allons et policy making. Comment un groupe capable d'influencer une politique publique, un processus, ça veut dire que c'est ça. Pour moi, il y a un constat que nous fait. Ma premier exemple qui est très reconnu de la littérature et qui a rapport avec les politiques publiques, c'est que groupe lobbying, il y a une capacité pour utiliser expertise qui ont gagné pour capable créer doute dans une situation. Un premier exemple qui est très clair. Si on regarde bien dans l'image qu'il a, ou après il y a un monsieur poli, ou après il y a une tache sous poule. C'est un monsieur qui travaille dans une compagnie aux États-Unis, Monsanto, compagnie de Monsanto, mais compagnie comme jardinier. Mais le produit que l'État utilisait, son produit qui était créé par entreprise de Monsanto, mais qui gagne des glyphosates. C'est-à-dire que pendant que l'a nettoyé jardin, les vignes affectées deviennent un cancer. OK? Maintenant, il y a un groupe d'experts, de groupe de lobbying qui défendent, qui dit non, c'est pas produit entreprise là qui crée maladie. Eh bien, monsieur Sakenabgadia, il est dans le tribunal, côté que la justice est saisie dossier. Côté que, eh bien, entreprise là, qui c'est Monsanto, eh bien, il est engagé des groupes d'experts, groupes de lobbying, pour qu'il fasse lobbying pour dire non, effectivement, produit il n'est pas défectueux. On est d'accord. Eh bien, le problème qui vient de passer, c'est que il y a une bagaille que l'entreprise a fait pour faire lobbying, c'est que il crée doute. Une fois que il y a un groupe d'experts qui a autorité dans le domaine, soit des chimistes, qui dit non, produit si ce n'est pas produit qui provoque une maladie, eh bien, effectivement, ils ont créé doute dans l'espace public, là, eh bien, ils ont fait lobbying auprès de autorités pour être capable de dire, pour être capable de désengager l'entreprise, là, pour dire que ce n'est pas eux-mêmes qui causent maladie. Là. Il y en a pas qui ont fait, ils ont utilisé expertise pour créer doute, même si scientifiquement ils prouvaient ces produits, là, mais ils ont engagé d'autres experts pour créer le doute pour être capable de faire lobbying. Deuxième point. Au groupe d'experts ça, que nous considérons comme des groupes de lobbying qui travaillent pour une entreprise ou bien qui représentent des intérêts particuliers, ils ont proposé des scénarios qui disent effectivement, si il y a tel problème, eh bien écoutez, si nous engageons telle solution, mais tel résultat que la baille.
ça que vous voulez en politique publique, des récits des politiques publiques. J'ai une capacité, par exemple, pour dire, si que nous cas pour exemple de politique environnementale, si que nous pas agiter maintenant pour le climat, eh bien, effectivement, dans 30 ans, mais dans quelle situation planète nous à pied. J'ai une capacité pour proposer des scénarios, hein, avec dire que dit, donc ça que vous voulez en politique publique, récits des politiques publiques. Maintenant, troisièmement, ces capacités que le groupe lobbying a gagné pour prendre contact avec des décideurs publics et politiques. Et c'est très important, après que il y a des groupes de lobbying, côté que il y a une capacité pour être capable d'inviter soit député ou sénateur, venir manger autour de un dîner par exemple, relayer un téléphone, tout ça, capable d'influencer la décision et qui en cours soit dans la question de ratification de loi au niveau du Parlement. Et puis c'est très frappant pour et quatrième point nous va essayer de garder, il y a une capacité pour organiser des forums pour présenter travail de recherche en présence des décideurs monde qui a décidé. Donc ça veut dire que on va influencer la présentation travaux que de recherche. Expérience ça que nous était vraiment à Bruxelles côté que il y a un groupe de lobbying qui travaille sur des enjeux environnementaux, eh bien, ils ont invité des députés européens pour présenter le travail sur ce qu'ils ont fait sous des machins. Ils ont présenté des scénarios. Donc, eh bien, à la fin, que nous avons suivi la réunion, ils ont décidé qu'ils disent oui, c'est intéressant ce rapport, il faut que nous menions une négociation. Nous voyons très bien comment que le groupe lobbying est capable d'organiser des forums, des conférences, des débats autour d'un sujet qui fait problème dans la société, pour être capable d'influencer des décisions en présence des décideurs publics. Maintenant, vu que en politique publique sont ces interventions autorités publiques yo et qui engagent l'autre citoyen, et mais il y a plusieurs acteurs qui en présence, par exemple capable bien des jeunes, par exemple j'ai que nous avons aussi gardé et politique publique et jeunes, et il y a un acteur qui est impliqué, et mais chaque acteur pas la même vision du monde de problème, non, et mais il y a même lobbying, il y a une capacité, il y a des groupes de lobbying qui capable présenter vision du monde par rapport à problème, non, parce que y a un seul problème qu'on ait plusieurs et qu'on ait plusieurs visions du monde qui gagnent autour de lui. Et puis groupe de lobbying ça autour, il travaille de concert avec des opérateurs économiques qui est assez puissant et même qui voire très puissant. Donc faut ou prendre acte ça en considération parce que ou pas capable de décider ça parce que il y a même tout, il y a ces acteurs faut que vous présentez. Et puis lobbying pas seulement un groupe monde qui gagne comme cap influencer des décisions, il y a lobbying jeune gabzia, il y a lobbying citoyen par exemple pour question climat capable gagner un problème qui émerger et puis média saisir de problème, non, nous mobiliser, nous cap prendre exemple par exemple en Haïti avec question Petro Challenger, eh bien une fois que jeune yo engagé une question corruption, média saisir de problème, non aussi. Maintenant pour qui ça groupe de lobbying participer non politique publique, par exemple. C'est très important, parce que effectivement, qui est-ce qui t'a souhaité décider, c'est mon nouveau théo. Hein? Pour que ça, il y a des groupes qui ont fait influence pour influencer les décisions. Depuis les années 80, c'est très important, il y a un nouveau paradigme. C'est très important, ça. C'est que, il y a estimé que l'État n'est pas efficace. L'État ne fait pas qu'être promesse, il dit que nous ne pas respecter. Et bien, il y a un groupe un nouveau paradigme qui dit que faut que nous réduisions l'État, hein, faut que nous inspirions, parce que à cette époque entreprise a bien fonctionné, on nous inspirait de mode de fonctionnement entreprise pour être capable de gérer l'État, même nous gérer entreprise non souci pour être plus efficace. C'est puis de là ça ou pas, ouais, des autorités aux États-Unis ou pas, gagner Ronald Reagan ou pas, gagner en Angleterre Margaret Thatcher et Jacques Chirac en France. Côté que, il va dire donc, on nous consulte des groupes de lobbying, cap aider nous remplir mission de service public. Là. C'est à partir de ce moment que vous parlez que, il y a des acteurs privés qui prennent entrer dans le service public, là, qui prennent aider les acteurs et publics décider. Parce que nous trouvons que l'État est en défaillance, il faut que nous invitions des groupes. Ça, c'est un point qui dit, faut que le groupe lobbying participe. Deuxièmement, autorités publiques, vu que le groupe lobbying représente des intérêts et des groupes aussi, faut que l'autorité chita avec eux parce que l'autorité a besoin de légitimité tout, de la part de eux-mêmes.
C'est extrêmement important. Et pas seulement auprès des groupes de lobbying, il y a besoin de légitimité, il y a besoin aussi de la part de la société civile. Ça fait que les deux, il y a deux chita avec des deux groupes ça. Et puis, il y en a un point que nous essayons de garder pour qui ça, au groupe de lobbying capable de participer à la politique publique, c'est que non seulement dans l'administration publique, tout à l'heure, Hakim t'a évoqué qui est sur collectivité territoriale. Collectivité, ça, il n'y a pas gain, fort souvent, il n'y a pas gain assez et d'acteurs qui sont capables de porter changement vraiment. Eh bien, il y a qu'on référé à des acteurs. D'ailleurs, hein, il y a qu'on référé à des groupes de lobbying plus capables de gagner une légitimité technique, hein, voire scientifique. Nous, par exemple, avec les enjeux environnementaux, par exemple, sur la question climat, ou d'accord avec moi, en pile administration publique, dans le monde, pas vraiment gagner des experts pour qu'ils réfléchissent sur eux. Donc, ils sont obligés et ont recours à des groupes de lobbying ailleurs qui sont capables d'avoir une légitimité technique et scientifique. Mais dans tout ça, il y a une question qui s'est posée. Si tout acteur ça, le groupe de lobbying, ça a aucune place dans la décision, dans la démocratie, finalement, qui est-ce qui décide? Nous connaissons lorsque nous votons un dirigeant, c'est nous votons pour diriger. Et son problème, c'est une question qui est posée dans la politique publique. Qui décide finalement si l'autorité est liée avec des groupes d'intérêt comme ça? Maintenant, qui décide? Maintenant, question qui décide, je pense que la question est mal posée. Et tu as préféré pour nous poser une question comme ça, comment les décisions sont prises de préférence? Nous, et que décision 1, lorsque ou un président, un sénateur qui dit bon finalement mais ça que moins décidé, c'est en forme de théâtre en quelque sorte. Décision que ou elle prend officiellement, son décision qui est ajustée, son décision qui déjà mobilisé d'autres acteurs de la société civile, d'autres groupes de lobbying avant que bon décision finale entre guillemets qui prend. Finalement ou par contre qui monde qui décide parce qu'il y a différents acteurs qui participaient dans cette décision a priori. Maintenant, pour me finir, selon vous, lobbying, est-ce que c'est un atout ou bien une menace pour une démocratie? Pour qui ça? Parce que est-ce que si nous votons un dirigeant pour le décider pour nous, pour ça que les gagner des liaisons avec des groupes d'intérêt qui peuvent influencer les décisions? C'est une question que me poser nous comme ouverture et pour me terminer. Merci beaucoup. Merci un peu, Amos, parce que vous posez un peu de questions pour lobbying en Haïti, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le parler de lobbying. D'ailleurs, ce n'est pas une activité négative qui concadre, qui constitue en Haïti, et surtout mentionner les connotations que il y a aux États-Unis. Que la plupart du monde n'a pas pensé que c'est un mauvais bagage, mais pourtant en France et en Haïti, tout, on parle de lobbying, on parle de monde qui a poussé pour des intérêts personnels, j'ai toujours vu ça comme un bon moment. Donc, je pense que c'est un bagage qui est important. On parle en pile de ça, nous relie entrepreneurship de politique publique ou bien pas aussi entrepreneurship, et je pense que pour moi, j'ai évolué dans le domaine, non, parce que avec Amos François Consulting, ou bien, c'est ma communauté de jour qui va permettre que vous prenez des décisions politiques ou bien influencer des décisions politiques. Mais pour l'autre monde, par exemple, qui est en Haïti, qui t'a remis rentrer dans les cadres dans le domaine ça, qui conseille que tu as un jeune pour être capable d'engager dans la question lobbying, pour être capable de faire promotion des cadres pour des politiques publiques que vous-même pensez qui est capable de changer la communauté. Et avant même de répondre à la question, je voulais faire un petit rappel avec le monde qui t'a regardé nous hier. Et si vous n'avez pas regardé nous hier, nous tenions ensemble avec nous Rosny François, qui est assistant secrétaire général dans la Chambre des députés, qui t'a dit nous que. C'est Rosny Kade. Rosny Kade. Rosny Kade, merci. Merci, Amos. Rosny Kade, qui t'a ensemble avec nous, qui t'a parlé de questions et. Pour ça qu'a fait dans le Parlement et citoyens eux-mêmes ont gagné possibilité pour que faire des propositions de loi, mais la plupart du temps proposition de loi ça n'a pas chambre qui a quitté étape de assemblée et des commissions ou bien et aller devant assemblée nationale pour que vous parliez. Donc
gagne un peu de travail qui pour faire parce que on même capable pas conseiller ensemble avec et jeune concernant processus lobbying et surtout promotion pour politique publique ou même mieux les faire. Oui, ben merci beaucoup et pour question Kim. Et je pense que l'extrêmement important gagne un participant qui pose une question qui est extrêmement importante. Est-ce que et activité lobbying est formalisée en Haïti? Ça son problème, c'est vraiment il n'est pas formalisé. Déjà pas de groupe de lobbying, déjà parlement a supposé dire peut-être reconnaître des groupes de lobbying ou bien ou pas. Déjà on apprend que encore activité elle est encore très informelle. C'est des acteurs conseil qui cap soit qui gagne des relations avec des députés ou des sénateurs capable influencer des décisions mais pas vraiment gagne des groupes qui écoutent. Maintenant dans ce cas qu'est-ce que moi capable recommander déjà faut que bon travail de démystification qui fait sur question lobbying dans le pays pour dire que lobbying n'est pas forcément vraiment mauvais. Moi même position intime c'est que ça dit c'est que c'est lobbying n'est capable de bon outil, qu'on est capable de mauvais outil par exemple. Il y a un mauvais outil que nous retrouvons avec question l'affaire de glyphosate, hein, côté que un produit qui dangereux, côté que il y a des groupes qui défendent qui disent mais non. Je pense que si une activité qui a un rapport avec l'intérêt général, soit défendre contre cette question la corruption ou bien l'environnement, je pense que lobbying là c'est son bon point. Donc il y a un lobbying citoyen et dans le cas ça, je pense que c'est pour faut qu'il parle dans l'université déjà et faut qu'il parle dans les médias et puis déjà c'est ça moi c'est que pour capable essayer formaliser dans ce sens. D'accord, merci. J'ai une dernière question pour avant passer ensemble avec Kristen. C'est que vous avez parlé de Petro Challenger tout à l'heure et il y a un pile négative manifestation qui fait parce que mon voulait que l'État prenne des séries de décisions mais il me semblerait que la décision n'a pas vraiment pris et que la manifestation dans la rue n'a pas la même efficacité que le gain avant. Parce que nous voyons ça, par exemple, et dans la question, et l'un des gains dernier et gouvernement a fait une pile manifestation pour que le président ait allé, ça n'a pas marché. Et puis, il y a une pile manifestation qui fait, ça a nourri les protestes là. Est-ce que vous pensez, par exemple, que si acteurs sont capables de mettre tête ensemble, ils sont capables de garder un impact qui est beaucoup plus efficace comparativement avec et de garder faire lobbying dans la rue? Lobbying dans la rue est important, mais je pense que il y a une autre facette dans le lobbying que les acteurs sont supposés adopter pour être capables de réussir à joindre des changements dans la société. Oui, je pense que c'est un très bon constat, question mobilisation dans la rue pour soit faire un problème émerger ou pour exemple question corruption, pour ça pas un résultat concret qui fait déjà pour moi genoux, mobilisation n'est pas suffisante en elle-même parce que faut gagner aussi des structures pendant que jeune pas engagé tout, faut qu'il soit capable influencer dans les institutions, c'est extrêmement important. Et c'est pas et je pense que dimension dans la rue est important capable attirer autorité publique sur le plan national et sur le plan international aussi, mais bon dimension organisationnelle aussi pour qui et pour nous prendre en compte. Faut gagner des acteurs aussi qui capable porter problème yo. C'est pas seulement faire manifestation, mais faut gagner si n'a pas essayé réfléchir sur question corruption, exiger acteurs ou venir gagner des soit m'pas connait et des institutions qui propres avec question corruption. Et je pense que dimension organisationnelle yo, m'pense c'est là et m'pense que il fait défaut dans Haïti. D'accord, merci. Et bien, on va dire que toujours Abdine de faire promotion pour lui, c'est que c'est vrai aller dans la rue faire mobilisation dans la rue est important, mais faut que nous passer et de la rue à la table. Ça veut dire que ça faut que nous chita parler avec des décideurs, faut que nous mettions nous ensemble, faut que nous organiser nous pour que nous gagner type d'influence que nous besoin pour capable et ne pas dire impacter décision ça qui capable aboutir sur des changements. Merci Amos. Pour passer avec Kristen, j'ai une question, bien deux questions pour vous. My first question is, I know in lobbying, there are tools that you use. For example, when you want to approach an elected official, you have policy briefs and there are other documents that you use. Can you share a little bit with us and people, you know, watching from Haiti, how they can
use those tools to approach elected officials, whether it's a policy brief or it's a policy paper of some sort, how they can use that information to start engaging elected officials? Yeah, of course. Thank you for the question. As I stated before, when it comes to these policy briefs, right? So in lobbying, it depends, right? If you're advocating on behalf of a company, you have these conversations or these meetings with your company that you're representing, and you figure out exactly what is the issues that you're going to bring forth to the legislature. And so they may be, you know, a couple of pages long as far as these briefs go. And so, as I mentioned before, keeping those briefs brief, right? Mm-hmm. Because the legislature, I mean, they have a ton of stuff going on. And so what you want to do is the best practice is to get straight to the point, you know, have maybe 5 to 7, maybe bullet points on what is the issue, what is the outcome that you want? And, you know, how do you want that done? Whether it be a bill, or it could be the legislator possibly attending an event on behalf of this issue, right? It doesn't always have to be about a bill. So the best practices is to always keep it short and concise, but definitely get to the point. Thank you so much. Yeah. Pour le monde qui a regardé en Haïti, qui peut-être pas comprendre l'anglais, moi c'est que on a pas Christian dit qui est important que je mentionne, c'est le fait que le nom va approcher on élu ou bien on prend décision ou bien on décideur politique ou acteur politique, faut que nous assurions que le document que nous partageons un document assez concis et précis pour capable partager information ensemble avec eux. Et puis tout l'important, le bras aller côté on élu ou bien on décideur politique pour qu'on exactement qui soit bras dire. Par exemple, si on politique publique que vous voulez et que le Parlement lui-même l'a adopté ou identifié, par exemple, un parlementaire capable de faire ça. Donc, l'on va parler avec Mounsa, il faut être vraiment précis et concis, parce que Mounsa lui-même n'a pas gagné en pile temps devant. D'ailleurs, des fois, on a parlé ensemble avec Mounsa, et puis c'est pendant Mounsa marché, et puis c'est en même temps, on va parler. Donc, il faut avoir une capacité pour expliquer. Maintenant, my next question for you, Kristen, to wrap it up. We in Haiti, they don't have the same access to elected officials that, you know, they have in the US. Okay. Because it's quite, you know, difficult. How do you engage elected officials when it's hard to do so? I guess I'm asking about the outreach piece of things. How do you go about doing that? Yeah, so especially with the pandemic, it definitely put a damper on our access to these legislators, right? So during this process, I mean, I was about to say how important it is to get to know their staff, right? We think that, you know, staff is not that important. However, they hold the key to the legislator, right? So they're the ones who manage the schedule. They're the ones who have the most access to these elected officials. And so back to, you know, the whole premise of, you know, lobbying is relationship building. So for me, I made sure that I made strong relationships with these legislators' staff. And it doesn't always mean you have to meet with them, you know, just basically contacting them via email or phone calls or whatever communication exercise that works best for you or that you're available and have access to. I would say to definitely make friends with these staff members, because they're the ones that hold the key. They're the ones that have the knowledge about what is actually going on with the legislator. And so when you don't have that much access to the official themselves, I would definitely say use other streams of communication and really utilize their staff members and the people that are around them, because they are the ones that could help you the most. All right, thank you so much. If I can resume in a few words, c'est que li important pour que nous apprenne qu'on est monde qui a travaillé avec décideurs politiques. Des fois, nous n'avons pas accès ensemble avec monde qui a pris décision, mais monde qui a travaillé ensemble avec monde qui travaille dans le cabinet
mon nan ou bien nan bureau et parlementaire là des fois mon sa ou même yo gen connaissance et mon sa ou qui conseiller me dit di parlementaire là des fois sou gen relation ensemble avec mon sa yo la plus facile par exemple mon yo tando donc li important pour que nous gen relation ça et puis tout gen l'autre moyen tout que nous capable utiliser pour nous prendre contact ensemble avec les parlementaires ou bien monde qui représente nous parce que dans un premier temps faut que nous connait qui est-ce qui représente nous parce que et question lobbying ensemble avec question politique publique les demander pour que nous même en tant que citoyens nous gagner un devoir que nous même nous faire beaucoup de panne parce que changement lui même il pas passer comme ça changement pas privé comme ça c'est que nous même comme citoyens nous pas gagner des activités que nous fait donc dans sens ça m'a dit à notre collègue de merci en ville thank you so much for taking the time and we'll and I'm also want to say merci en ville parce que pas là de partager un dernier point par contre oui comme sujet a été question de dimension changement que nous pas de temps pour nous garder question changement qui gagne bon c'est extrêmement important. Oui, pour question changement, parce que faut souvent lorsque nous besoin faire changement, soit nous besoin changement, parce que changement n'est pas forcément changement radical, c'est un changement bagaille. Et c'est ça que gain de changement, c'est un changement progressif, par exemple. Et gain de politique publique qui a essayé, bon, qui a un ensemble de problèmes, quoi, parce que ça peut émerger, ou besoin changement. Parfois, changement, c'est un changement plutôt, ça que nous voulons en politique publique, des changements incrémentaux. Ça veut dire que c'est au fur et à mesure, parce que y a une politique publique, y a un problème qui était perduré pendant une décennie ou même un siècle, c'est pas une politique publique en quelque sorte qui peut créer des changements. Faut souvent, changement qui gagne en matière de politique publique, c'est des changements incrémentaux, ça veut dire des changements très progressifs, petit à petit. Là, évitez-nous patient aussi dans question changement, comme tu as envie et celui. Merci en ville, parce que c'est vraiment important. Des fois, nous voulons changer tout le bagage en même temps, nous voulons faire un changement radical, mais des fois, and I think Kristen mentioned that, small wins are also wins, because we want change and we want to do it all of it now, but at the same time, we have to realize that policy, sometimes it's about incrementalism. Nous sommes capables d'appliquer. Donc, again, I would like to thank you both, merci un peu Amos et Kristen, parce que tu partages ensemble avec nos expériences. Et puis, je remercie tout le monde qui a pris le temps pour te suivre nous pendant 2 jours, pour te faire parler sur la question politique publique et l'engagement jeunesse. Parce que quand ça a été possible grâce à un partenariat avec la police Haïti et National Association for the Advancement of Haitian Profession. Pour NAHAP, donc invité tout le monde qui était connecté ensemble avec Ali Police, était connecté ensemble avec NAHAP pour nous capable d'apprendre plus de activités que à faire et surtout inviter tout le monde qui est intéressé dans la question politique publique qui t'a aimé que nous-mêmes nous faisons des partenariats ensemble avec eux pour nous collaborer sur quelque chose comme ça, mais invitez-nous tous pour entrer en contact avec nous, on est vraiment très content pour que nous discutions de questions politiques publiques que nous tous, mais c'est que nous avec le même bagage qui c'est changement la taille. Donc, sur notre ça, je voulais dire que si par exemple, il y a un bagage comme ça, mais que tout le monde qui aime bien, on a comme ça, mais que tout le monde pourra pendant 2 jours ça, que tu fais ensemble discuter questions et politiques publiques, c'est dans un premier temps important ce qui vient pour que nous informer nous, pour nous éduquer, qui s'est passé dans la commune, qui s'est passé dans la communauté de vivre, qui s'est passé au niveau national. Et puis, il faut que nous ayons une formation. Et puis, il faut que nous ayons connaissance du monde qui a pris décision, de acteurs. Et puis, il faut nous engager. Nous tout. Engagement, nous ne pouvons pas dire toutefois engagement politique. Il y a des activités que nous sommes capables de faire dans la commune, nous, aller vers Myriam, pour capable de garder, par exemple. Par exemple, vous voulez changer, la plupart du temps, un peu le monde fait même constat à tout. Des fois, approche dans les droits différents, mais tout le monde, des fois, est conscient de problèmes, il y a tout les adresser. Donc, essayez de garder pour qu'ils soient capables d'aborder acteurs et puis capables de faire lobbying au niveau de acteurs pour capables de prendre des décisions. Et puis, finalement, je voulais que nous connaissions, par exemple, c'est vrai que le pays n'a pas développé sans que nous n'ayons pas gagné un business, sans que nous n'ayons pas gagné des entreprises privées.
mais tout pays on va pas développer sans que pas gagne des structures qui fait. C'est vrai pour pays en développer nos besoins business, nos besoins MDKD, des avancements qui fait au niveau technologique. Mais contre tout, pour avancement ça a fait, il faut que la structure qui mettait en place, il faut que gain et des structures qui mettait qui favorisaient et business qui favorisaient MDKD, des industries en Haïti, surtout industrie tech là, ou bien fintech. Donc, pour structure ça a créé, il faut que gain des politiques publiques qui mettait en place. C'est ça que fait, parce que il y a un moment côté que nous avons nécessité pour que gagne un pile changement, il y a nécessité pour que gagne des décisions qui prend et décisions ça il pas qu'à prendre si pas gagne ça nous relé des policy entrepreneurs, des entrepreneurs de politique publique, des monde qui vraiment mettent dans tête yo pour réfléchir sur question politique publique, sur question des problèmes que pays a confronté pour eux même pour dire bon voilà, nous pral proposer des solutions, nous pral créer un laboratoire côté que n'a réfléchi. Et c'est dans cas ça nous créé Calipolis Haïti avec une mission pour que nous éduquer mon yo sur question politique publique et garder ensemble qui sont capables négatif influencer décision. Donc pour finir m'a dit encore une fois tout le monde merci et m'a remercier en pile NHP et tout partenaire que nous t'ai gagné pendant et Policy Bootcamp là qui t'ai rendu possible. Encore une fois, merci à Mons François and thank you, Kristen. Thank you. All right, bye-bye. Have a good one.